Et salut à tous, Zens. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur Dofus Pets. Aujourd'hui, voilà, on va se retrouver pour un épisode, voilà, un petit peu, je pense, spécial. On verra peut-être que c'est peut-être une nouvelle série, je ne sais pas du tout. Mais bref, voilà, ça va être là peut-être une autre série, ouais, une petite série que je vais faire, etc. Où est-ce qu'on va jouer à Dofus Pets? Voilà, parce que dans la guilde, on m'a beaucoup conseillé de lui jouer, etc. Et bon, là, j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser, donc c'est parti. Salut, je suis Otomai, l'un des alchimistes les plus reconnus du monde des 12. En ce moment, je travaille sur des expériences vraiment fascinantes, je crée la vie. Donc, bon, désolé pour si les dialogues sont un peu bizarres, enfin, c'est un peu dur de lire en même temps qu'ils se créent. Donc oui, alors Otomai, voilà, qui est encore... Alors l'histoire d'Office Pet, c'est très simple, on va dire, en fait, c'est Otomai, à force de jouer avec la vie, ben... Il a beaucoup trop de monstres à s'occuper, donc en gros, ben, il déconfie à des gens, voilà. Tu ne me crois pas? Regarde cet œuf, il referme l'une de mes créatures. Mais à force de faire des essais, je commence à en avoir beaucoup. Je n'ai pas le temps de m'en occuper alors. Attends, ça dépend. Ça m'aiderait beaucoup que tu t'en charges. Tiens, je te laisse faire ton choix. Ah bon? Ouais, mais choix de quoi en fait? Donc on va choisir entre eau, plante et feu. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris de truc feu. Donc je vais prendre feu. Parce que ça fait très longtemps, même dans les Pokémon, je parle surtout. Je prends souvent plante ou eau depuis quelques temps. Donc voilà. Très bon choix, c'est aussi l'un de mes préférés. Tu es sûr de vouloir adopter un tofu? Ah, c'est un tofu! Oh bah là, c'est littéralement ok. De toute façon, c'est ce que je voulais, c'est un tofu. Donc voilà. Vois comment il bouge, il est sur le point d'éclore. Tapote le doigt pour découvrir ton nouveau compagnon. En plus, c'est une sorte de Tamagotchi dont j'ai souvent m'en occuper hors vidéo. C'est normal, là, c'est le but. Donc voilà. Allez, hop. On le casse, on le casse, on le casse. Oh, il est mignon! Merveilleux, te voilà l'heureux parent d'un joli petit tofu. Mais regardez-moi sa tête. Il faut maintenant que lui trouver un nom. Comment vas-tu appeler? Alors, le nom, voilà, j'ai un petit peu réfléchi quoi. En fait, déjà, j'ai réfléchi pour un tofu. Et deux, je vais l'appeler Mai. Alors, je dirais pas pourquoi en fait. C'est juste parce que j'aime bien. C'est. Oui, c'est vrai que c'est un moi. Mais voilà. C'est juste, voilà, comme ça. Mais on dirait qu'il aime. Mais c'est tout à fait approprié. Enfin, oui, on pourra dire Mai ou Mei. Voilà. Moi, je vais sûrement dire Mei. Voilà. Ou Mei. Bref. On dirait qu'il aime tout à fait. Enfin, on dirait qu'il aime, c'est tout à fait approprié. À présent, il faut apprendre à t'en occuper. Regarde ces choses, chacune d'elles représente un état pour Mai. D'accord, alors on a une barre de style et content. On a une barre de faim, on a une barre d'énergie, on a une barre de. On dirait en fait que c'est comme bah, les dragons d'Inde. Et on a une. Désolé si je parle un peu fort dans le micro. On a une barre de poids. Et une barre de, je pense, de lavage. D'accord. Ok, il faudra pas qu'il prenne du poids. Ah oui, c'est vrai de son, parce qu'elle est tout tripotant. Elle te permet de t'assurer que tout va bien. La jauge de vitre t'informe sur sa santé générale. La jauge de joie t'indique s'il est heureux ou malheureux. Il devient content, il a pris. Enfin, je crois. S'il est malheureux ou heureux. La jauge d'appétit t'indique quand il a besoin d'être nourri. Ça veut dire que. La tête du tofu. Ouais. La jauge d'énergie t'indique quand il a besoin de se reposer. Oh, c'est mignon. Bon, enfin, sa jauge de croissance t'indique. Oui, ça, donc c'est la jauge de croissance. Quand Mai est sur le point d'évoluer. Sachant que son évolution ne dépend que de ton attention, il faut vraiment apprendre à mesurer les actions. Oh. Ah, d'accord. Mais non, parce qu'en fait, voilà aussi, je viens. Pour l'instant, je vais pas vous dire pour l'instant quel type de tofu je vais faire. Mais on m'a dit soi-disant que c'est extrêmement dur. C'est extrêmement chaud pour ce que je veux faire. Apprendre à mesurer tes actions. Fais bien attention à ces jauges. Si elles pèsent trop, cela aura des conséquences sur Mai. L'interface de gestion te permettra de prendre soin de Mai. Regarde, il a l'air d'avoir faim. Donc là, pour donner à manger, appuie sur ton aventure sur nourriture. Probablement, et le fait glisser le vermet.
Parfait, il a l'air d'apprécier. Oh, c'est vraiment comme un Tamagotchi en fait, à part les vêtements en plus, je crois. Et pas le code aussi qu'il fallait avoir, ça qui coûtait super cher et tout, je me rappelais. Je m'étais fait avoir plus d'une fois, etc. avant de réussir à aller sur le site. Enfin bref, bref, des conneries comme ça. Parfait, il a l'air d'apprécier. Ah voilà le revers de la médaille. Ah oui, d'accord, il a fait caca. Tu peux nettoyer en tapotant sur sa couotte. Sur sa crotte, couotte. On dirait que ce n'est pas suffisant de te conduire du savon pour le décrasser. Prends quelques camas pour ton achat. 150 camas, je suis riche. Tu trouveras le savon dans la boutique de soins. Tu débrouilles bien, mais est propre comme un sou neuf. Ah d'accord, faut juste le donner parce que plus tard je suis en train de le savonner. Je pense qu'il aura très envie d'aller s'amuser et n'hésite pas à profiter de l'espace de jeu par la suite. Tu trouveras des activités qui te permettront de récolter quelques camas. Bien, je pense que tu pourras t'occuper de Mai, je te le confie. Pour également ceci, oh, c'est ma façon de te remercier pour ton aide. Oh oui, de la bouffe! Je dois y aller pour une expérience. J'ai une expérience sur le feu. Littéralement. D'accord, ok. Bon, le mec est en train de brûler quelque chose, hein, voilà. Je reviendrai te voir prendre des nouvelles d'ici. Là, prends bien soin de Mail. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est parti. Oh, c'est mignon. Bon. Ben voilà. Oh, oui, c'est moi qui suis en train de le taper dessus. Regardez-moi ça. Là, il est en mode méfiant et là, je fais. Ah! Lorsque Mai a envie de quelque chose, c'est sa façon qui... ce qu'il te dit, qu'il te fait avoir. Si tu veux choisir de satisfaire sa demande ou non, mais n'oublie pas chacune de tes actions et de référence sur sa jauge de croissance sa future évolution. Alors je pense que pour la mienne, il faut qu'il soit... Enfin, c'est un truc d'exigeant. Enfin, il est exigeant. Donc, s'il est exigeant, il faut lui donner. Oh. On va se calmer tout de suite, mec. Il a faim? Il a déjà plus d'énergie. Oh là là. On va lui donner ça, lui. Juste parce qu'il me l'a dit. Voilà, mais c'est juste parce que, voilà. Hein, c'est... Il a eu le poisson. Mais il refuse de manger, désire le faire. Accepté. J'ai oublié, tu verras rien des symboles glisser vers sa jauge de croissance. Ce sont des questions que tes actions t'aideront à suivre l'évolution de Mai. Tu as pu appuyer sur la jauge pour consulter cette caractéristique. On peut le caresser! Oh oui, t'es mignon. Bon, t'as besoin de manger, toi. Donc, on va te passer une glace. Non, 40. Accepté. Le salaud, il veut pas, il veut rien manger. Comment je fais pour te donner à manger? Crétin, tu vas mourir. Merde. Mais mec, c'est le pire des salauds. Ok, il veut une potion de vie maintenant. Où est-ce qu'on trouve ça? Mec, je sais pas du tout ce que tu veux là. Ah, il veut ça. Ouais, mec, voilà quoi, c'est. Voilà quoi, c'est un peu cher, on va dire. C'est comme ça, voilà. Bon, bref, ok. Ok. Pour l'instant, faut essayer de le trouver à manger. On va lui passer les bananes. On va négocier. Merci. Tu manges, ça fait plus plaisir. Voilà.
Ok, alors est-ce qu'il veut jouer maintenant? Bah, alors là, oui. Alors qu'est-ce que c'est ça? D'accord, ok, ça c'est ça, d'accord. Alors moi, je vais vous dire là, donc à la prochaine, voilà, pour l'instant, voilà, je vais faire une pause ici. On a fait le tuto ensemble. Donc je vous dis donc à la prochaine pour de prochaines aventures. On va un petit peu regarder où ce qui va. Moi, je veux qu'il aille dans le charmant. Chouchouté et pomponné avec attention, charmant est toujours au top de sa forme, véritable victime de la mode. Il fait se montrer capricieux alors qu'il est question de son style. Il a 50% de chance d'être un bon ontarien. Esprit de noblesse, le bon ontarien est le reflet d'une éducation sage et juste, ainsi que d'une attention très protectrice, un peu indépendant. Il devient facilement mélancolique de son absence. Éduqué de façon trop dure et injuste. D'accord, ok. Ça, c'est quand il a pas mangé, ça, c'est quand il a pas lavé. Et donc, en gros, il faut vraiment que je fasse charmant. Donc, charmant, c'est vraiment le chouchouté de la vie. Donc, on va le caresser. Bon, du coup, donc je vous dis donc à la prochaine pour les prochaines aventures. D'ici là, ben voilà, on va. Je pense voilà, qu'on va s'arrêter ici. Donc, je vous dis donc à la prochaine pour de prochaines aventures. Bisous, bisous!